y a trop de procession. Souvent, je quitte. Souvent, c'est moi qui quitte. Mais la première fois, on m'a largué comme ça, gratuitement, on me largue. Donc, du coup, écoutez, les gars, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Et là, maintenant, vas-y, je suis dans une autre relation. Rien que d'envoyer, ça me fait marrer. Je suis dans une relation, en fait, ça prend un peu la même tournure. En fait, ça prend un peu la même tournure. Mais en fait, c'est beaucoup plus dans la possession cette fois-ci. J'ai pas vraiment envie de parler de ma relation, étant donné que je suis heureuse dans ma relation, tout ça. Mais c'est infernal, en fait. Vous voyez, ça devient plus. En fait, au début, c'était en mode non, t'inquiète pas, moi je suis cool. Moi je te ferai pas ci. Moi je te ferai pas ce que tes ex t'en fait. Je serai pas aussi jaloux. Je serai pas aussi possessif. Mais rien du tout, les gars. Rien du tout. En fait, je pense qu'en fait, le problème, il vient de moi, en fait, parce que c'est moi. Parce que je peux pas comprendre que tous mes gars sont jaloux, en fait. Moi, j'ai connu mon ex de 4 ans, en fait. Je l'ai vu en couple avec sa copine. Il a jamais été jaloux, en fait. Donc, en fait, le problème, il vient de moi. Je crois que le problème, il vient de moi, en fait. C'est moi qui rassure pas mes copains, en fait. Je sais pas les mettre à l'abri. Alors qu'en fait, de la même façon qu'une femme a besoin d'être rassuré, c'est cette même façon qu'un homme aussi a besoin d'être rassuré, surtout un homme qui est amoureux, quoi. Déjà, moi, je suis pas jalouse, donc il se dit, ok, elle est déjà pas jalouse, elle a beaucoup de potes, ça veut vraiment dire qu'elle me calcule pas, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est un peu chaud, c'est compliqué. Donc, en fait, là, je sais pas comment le rassurer. Alors, si le rassurer, c'est de mettre mon meilleur ami de côté, il est hors de question. Mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon frère, c'est mon tout, c'est mon binôme. Donc du coup, bah, je peux pas le mettre de côté, je suis désolée. Donc du coup, je suis un peu partagée. Et lui aussi, il est contre notre relation. En fait, il est contre ma relation avec ma meilleure amie, avec mon meilleur ami. Du coup, c'est chaud. Ouais, du coup, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Mais j'ai pas envie de. Voilà, déjà, lui, je sais qu'il va pas me larguer, étant donné que voilà, on est doté. Vous voyez, en fait, il m'a doté, tout ça. Mais en fait, c'est un peu chaud parce qu'en fait, il commence à devenir un peu trop jaloux. Trop, en fait. C'est devenu trop dans les bornes. Au début, j'ai mis ça, vous voyez, dans le mode, en fait, tu sors, tu rentres chez toi. Genre, il t'attrape, perds-moi. En fait, au début, c'est toujours excitant, ce genre de choses. Mais après, vous voyez, après, tu rentres chez. Tu rentres d'un date avec ton pote, et t'es tranquille, bien. Tu rentres, t'as ton gars qui t'attend dans le coin, qui t'a. T'es à moi, mais bébé, calme-toi, je sais que je suis à toi, mais allô. Je viens d'arriver, je suis juste allée prendre un verre, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est juste, en fait, c'est des choses. C'est des choses, moi, je vous dis, hein, c'est des choses qui pigmentent la relation, les gars. Eh, les gars molles dans les relations, là, on les aime pas. Ton gars, hein, c'est tout le temps le monde des bisounours. C'est un couple, ils se chamaillent jamais. Ils sont tout le temps bien, H24 bien. Et en fait, elle a appris que son copain le trempait. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais maman, Ataïo Moko, toi et ton copain, vous vous chamaillez. C'est trop beau pour être vrai, c'est trop. Vous êtes là, gnagnon. En fait, le gars, il va s'ennuyer. Le gars, il va s'ennuyer. Moi, déjà, je suis désolée. Hein. Moi, franchement, les relations dans le monde de bisounours, où on est de lundi au mardi, on est tout le temps. Bébé, ça va, j'étais. Vous allez vous ennuyer, les gars. Quand il y a un peu d'action, là, quand je dis action, je vous demande pas d'aller battre votre femme. Hein. Je vous demande pas d'aller frapper vos copines. Hors violence. Mais en fait, un peu d'action, les gars. Genre, un peu de. Pas vraiment de la jalousie en mode tu vas la frapper, non, un peu de grimace, un peu de t'étais où, un peu de tu étais où, avec qui, ça fait plaisir. Eh, je veux plus que tu rentres tard, eh, je veux plus que tu sois avec un tel, pas trop en fait. Tu veux pas te dire non, tu veux pas aussi supprimer toutes ses potes, non, mais en mode eh, j'aime pas ça, non, ça tu arrêtes, vous voyez. En fait, c'est comme toi qui portes la culotte, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, pas en mode ça sera pas tout le temps, mais il y a des moments où il faudrait montrer que c'est vous qui portez la culotte, il y a des moments où il faut montrer un peu d'autorité. Hein, il y a des moments où, moi je suis désolée, je peux pas être dans un couple où
le gars, il vient jamais me voir quand je fais la cuisine. Ou le gars, il vient jamais me faire des bisous quand je suis en train de cuisiner pour lui. Je suis désolée, je vais quitter la relation. Je vais nexter la relation. Je vais bima dans la relation. En fait, vous êtes en couple avec des gens. Tu fais la cuisine, il est à 24 au salon. Il vient même pas te voir, en fait. Il vient te voir juste pour prendre un verre dans le frigo. Ah, ça va, tu cuisines, c'est bien. Ah, c'est très bon. Mais moi, je m'en fous que ça soit bon. Mais en fait, Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un gars, un vrai gars, il doit te rejoindre dans un truc. Quand tu cuisines, il arrive, il te fait des bisous. Il arrive, donne un... Allez, fessé. Mais ça pigmente la relation, les gars. Vous avez des gars, vous êtes en relation, c'est comme si vous avez fait 40 ans en couple. C'est gênant, en fait. Limite, ça devient gênant. Vous avez des gars, en fait, au lit, il n'y a pas d'activité. Mais je vais te quitter, je vais te larguer. Mais je suis... Heureusement pour moi que je ne suis pas célibataire. Heureusement pour moi que je ne suis pas célibataire. Ben voilà. Mais en fait, c'est toujours important. C'est toujours important, le partage des bisous. On l'a vu, c'est un fût à télénovela. Oh mon Dieu. Mais en fait, la vie, c'est télénovela. En fait, vous devriez savoir que la vie, c'est comme ça. Si le gars est concentré sur... Déjà, mon gars, s'il a TikTok, je le largue. Mais en fait, déjà, moi, mon gars, s'il a TikTok, je le quitte. Attends, il dit, renvoie-moi l'abonnement, s'il te plaît. Bon, écoutez, les gars, je suis restée plus de 20 minutes. Je dois aller chez moi et cuisiner et puis manger, quoi, parce que c'était bien, c'était marrant, c'était... C'était trop bien, quoi. Oh là là, écoutez, c'était un moment de partage, c'était trop bien. Je regardais, je pleurais, je pleure même de rire parce que tellement j'ai trop rigolé, c'est plus fort que moi, c'est un truc de fou. Ouh, en fait, ça m'énerve de ne pas travailler et je passe ma journée. J'ai même pas envie de rentrer chez moi parce qu'elle va me demander, ben, pourquoi t'as pas travaillé aujourd'hui? La vie, c'est un film romantique. Oui, on a beau, oui, Shakira a été trempée par... Tout le monde a sa vie, en fait. Bah, en fait, moi, je dis... Alors, moi, je suis désolée. Hein, c'est pas parce que je dis ça qu'en fait, il n'y aura pas des bas. Non, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Je vais pas vous dire, en fait, que la vie... Même dans les télénovelas, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pas pour rien que c'est télénovelas, en fait. Voilà, même dans les télénovelas, il y a toujours des hauts et des bas. Mais il faudrait juste faire le... En fait, il faudrait juste, en fait, essayer de vivre le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Le vivre à fond. Moi, je suis désolée. Hein. Je sais qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Je suis l'une des personnes qui a vécu plus de bas dans sa vie que de hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je sais faire la part des choses. C'est parce qu'il y a que des bas que je vais rester coincée dans les bas. Je suis désolée. Au contraire, c'est quand il y a des bas là qu'il faut... pigmenter la relation. Effectivement, en fait, moi je dis, les épreuves ne viennent pas pour nous ramollir. Les épreuves dans la vie de quelqu'un ou dans un couple viennent pour solidifier un couple. Moi, je suis désolée. Pour moi, en fait, dans une relation, c'est trop l'amour, c'est trop les tendresses, tout ça. C'est pas l'amour. Pour moi, c'est quand il y a des actions, quand il y a des jalousies, hein, de la part de mon homme, parce que ne vous attendez pas à ce que moi je sois jalouse, parce que je suis pas une personne jalouse. Hein. C'est quand il y a des petites épreuves comme ça qu'on sent que la relation, elle est forte. Une relation qui est toujours dans la positivité, dans le mode « bébé, je t'aime », c'est des gens qui ne s'aiment pas parce que à la longue, jamais ils se chamaillent. Tu es dans une relation où jamais, à aucun jour, vous chez avec ton gars. Et ton gars, il ne t'aime pas. Hein. Ton gars, il ne t'aime pas du tout. Parce que pour moi, une vraie relation, il faudrait qu'il y ait un peu d'action. Hein. Là, c'est une relation. Des hauts et des bas. Là, c'est une relation. Allez, c'était un bon plaisir de parler avec vous, mais moi, je vais devoir rentrer chez moi. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vais faire un live tout à l'heure. Après que j'ai fini de manger. Hein. Après que j'ai fini de manger, je vais faire un live. On va continuer sur ce sujet. Hein? Disons à 17h. Ils sont trop beaux.
disons à 17h. Vous êtes très beaux, tous les deux. Vous êtes magnifiques. Y a pas de merci. Mais en fait, mais t'as des gens, t'as des. Je ne veux pas les critiquer, mais pour moi, ils sont vieux et ils sont main dans la main. Ils sont vieux et ils sont main dans la main. Franchement, moi, j'aime. Donc,